Vous pouvez ignorer que le globe est désormais recouvert d'un grand désert, de rocs et d'acier. Les derniers humains dont vous faites partie survivent courageusement dans ce monde où les mécas font régner l'ordre. Mais il reste un espoir pour que la planète redevienne fertile. Déclenchez le pouvoir de Gaïa. La prophétie dit que ce miracle aura lieu aujourd'hui, grâce à vous et une poignée de héros. Alors, courage à tous. Shuko ! Oh ! Shuko ! C'est moi, c'est Marty ! Ouvre la porte ! Oh ! Shuko ! Oh oui, j'arrive ! Mon grand-père a disparu le jour de mes 10 ans. La veille de leur départ, ils m'ont fait jurer de rester dans cet endroit, quoi qu'il arrive, pour m'occuper de leurs plantes. Et surtout de celle protégée dans ce coffre. Ouais, bah c'est ce que tu as fait, on ne peut rien te reprocher. Hein. Et puis, ma mère m'avait confié cette cassette audio. Je devais absolument écouter le jour de mes 25 ans. Ouais, mais sauf qu'on n'a rien pour l'écouter, c'est pénible. Mais attends, tu vois. Tada ! Et voilà mon cadeau d'anniversaire. Un coup de bol, je l'ai trouvé dans une maison abandonnée. On va enfin pouvoir écouter la cassette. Tiens, branche-le. Eh ben, pédale! Pour faire de l'étude! C'est un méca de ta série, j'espère! C'était un méca première génération, avec les fils visibles, monsieur. Il doit avoir une sacrée migraine. Bon, alors, on en est où? Les batteries sont rechargées? Au secours, Marty. Tu es le seul espoir de cette planète. Si tu écoutes le jeu. Mais pétalez, bon sang, pétalez! Shuko, remplace-le et fais chauffer les volets. Ah bon? Merci. Vous pouvez rejoindre vos amis. Bah voilà, elle a été formidable et vous pouvez l'applaudir très fort s'il vous plaît. Chut. Écoute. Au secours, Marty. Tu es le seul espoir de cette planète. Si tu écoutes cette cassette, mon fils, c'est que tu as survécu aux 15 années nécessaires pour que les fruits de Gaïa atteignent leur maturité. C'est le moment pour moi de te rejoindre à ton époque. Pour cela, j'espère que tu as encore le buggy de ton grand-père. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Pédale-moi vite! Avec ce boucan, les mécas vont se pointer!
Elle dit qu'elle peut nous rejoindre, tu te rends compte? Mais pour ça, il faudrait démarrer le buggy du grand-père et le pousser à 80 miles. Alors? Ça fait des années qu'il n'a pas bougé et il n'aura jamais assez de puissance. Moi, je remets en doute la rapidité de mon buggy Millennium. Ce coucou est peut-être moche à voir, mais il en a dans le ventre et c'est ce qui compte. Je lui ai apporté tout plein de petites modifications super spéciales. Alors si tu veux bien monter à bord pour revoir ta petite maman, eh bien c'est le moment! Attention, accroche-toi, Marty! Tout d'abord, peut-être le max et après, au moins. Ça va péter! Allez! Ah, ça, j'ai piqué! Sinon, paf, je finissais en fond du Savoyard. Bien le bonjour, madame. Ah, vous tombez mal. Enfin, je veux dire, non, vous tombez pas mal, mais... Enfin, je veux dire, en fait, vous êtes qui, je comprends pas. Cesse de bavasser. Bouffi, bouffon. C'est moi, Leïla, ta maman. Je sais, je suis très bien conservée pour mon âge, mais... Ne bouge pas, Junior. J'ai la tête. Vous m'entendez? Oh, Leïla, ma princesse, est-ce que tu m'entends? Ben enfin, c'est papa, nom de Zeus. Je suis là, père. Le déplacement temporel est une réussite. Mais je ne vous vois pas. Oh, nom de Zeus, nom de Zeus. Ah, mais j'ai dû me tromper en tapant la statue, diamant. Moi, dis donc, me voilà en plein Moyen-Âge, avec des chevaliers en armure tout autour de moi. Dis donc, as-tu vu Marty? À quoi ressemble mon petit-fils avec 15 années de plus? C'est-à-dire que je ne l'imaginais pas comme ça, mais... Oui, bon, ben, qu'importe. L'important, c'est ta mission. Alors, vérifie si les orangers de Gaïa ont donné leurs fruits. Tiens, prends ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un module de communication temporelle. Prends-en soin. C'est très, très fragile, Marty. Répète-moi ce que ton grand-père nous dit. Oh non, non, mais c'est pas moi, c'est lui la votre commande. Oh, très fragile, mais c'est pas pour moi ça, qu'est-ce que... Pour se battre, on use d'un objet, n'importe quel objet. Celui-ci serait-il à la hauteur de vos attentes, chère madame? Visiblement, tu n'as rien oublié.
s'infiltrer dans l'oasis pour essayer de nous voler. Tiens, quand tu parles du loup, regarde là-bas dans la serre. Il y a un méca prêt à sauter sur le coffre. Laisse-le faire. On va rire. Faisons comme si nous ne l'avions pas vu. C'est drôlissime. Bon, pour ouvrir le coffre en toute sécurité, il suffit de taper le code à 5 chiffres que mon père a programmé. Allez. Cher ami, pouvez-vous demander à mon paternel le code secret pour désamorcer le piège? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Non mais je n'entends rien, hein. Elle demande le code. Oh. Le code? Oh là là! Attendez que je me souvienne. Allez, ce serait bien de ne pas vous tromper, papy, parce que sinon, boum, hein. Bon, ça y est, je l'ai. C'est W203. Vous pouvez me répéter, madame, sans vous tromper, bien sûr. W203. Ok, attends, t'es sûr, hein? Ah, c'est un super code à 5 chiffres, là, tout à coup, je suis paniqué, là. Attends, t'es sûr de toi, W20? Là, t'es sûr de toi, hein? Parce que si tu te trompes, qu'est-ce que ça fait? Ouais! Attends, j'ai une meilleure idée, tu sais quoi? Et si tu venais que ta... À partir de ce jour, la nature a repris ses droits et les mécas ont progressivement disparu, privés de toute énergie. Grâce aux héros dont vous faites partie, le pouvoir de Gaïa aura sauvé le monde. Ainsi s'achève votre aventure.